Tu vois, on a fait toutes les stations, là. On va explorer. On va tout faire visiter, ouais, là. Vous devez tout connaître déjà un peu. Oui, oui, oui. Bonjour. Ah, ben, c'est le fun que vous soyez venu. Oui. Est-ce que vous habitez Rosemont? De la démarche. Donc, vous pouvez suivre la démarche, vous pouvez venir participer aux activités si vous voulez de l'Université pour Saint-Marc, si vous voulez s'impliquer. Donc, on veut en faire vraiment un projet citoyen. Cette station-là, c'était pour accueillir les citoyens du quartier et leur proposer une vision créative de comment ils voient l'église. Très important, parce que je voulais que les gens sachent l'origine de cet instrument-là, son âge, ses capacités, sa rareté, parce qu'il est rare, il n'y en a rien qu'un. Néoclassique allemand, il n'y en a rien qu'un. C'est lui. Alors, je voulais que les gens voient un peu de quoi ils retournent et puis comment ça fonctionne. C'est des jeux, les timbres, les combinaisons, les généraux, ben, toutes les parties techniques de l'instrument. Parce que on en parle, on le touche, on sait comment il fonctionne. C'est un instrument merveilleux. Alors tu lui fais quoi? Ah oui, ça, tu vas être à genoux, mais vraiment. Là, tu peux te mettre ici. Oh. J'avais une idée, je l'ai proposée. L'idée, c'était de dire qu'on allait occuper cet espace-là, on allait jardiner. Et une fois qu'on fait ce geste de mettre les mains à quelque chose, la notion de l'appropriation apparaît. Puis s'agenouiller pour faire émerger des idées au lieu de s'agenouiller. Donc c'est comme un changement du rituel. C'est très philosophique. Très philosophique. J'aime bien. Cette intention de changer, je pense qu'un bulbe était l'élément juste pour faire ça. Ah, c'est bien. Bonjour. Oui, pas. C'est quoi café? On a des ateliers de 5 à 7 tous les jours de ces prochaines. C'est excellent, il y a plein de monde qui visite. Tout le monde est étonné du lieu, de l'espace, de l'envergure. C'est extraordinaire. Alors ici, on va accueillir les gens et on va les inviter à prendre un moment. Observer aussi Saint-Marc d'en haut, donc prendre un peu du recul aussi par rapport au lieu. Parfois, quand on arrive à un endroit, il y a des choses qui nous frappent et des idées qui émergent. Oh, c'est bon. Ok, là on a quelqu'un. Quand une idée arrive, les personnes vont pouvoir prendre une petite graine. À l'image des idées, finalement, on peut lancer une idée. C'est possible qu'elle germe, c'est possible qu'elle germe pas. Mais plus on en lance, plus on a de chances de voir des belles choses pousser ici. Que ce soit un lieu communautaire, donc vraiment pour le développement du quartier, et qu'en fait aussi on puisse préserver ce patrimoine religieux-là, qui je pense a été important et l'est encore dans ce quartier-ci. Si on prenait une photo maintenant, une photo il y a 10 ans, je souhaiterais que le visage, c'est déjà beau, mais ça manque de joie. Il y a de la joie à l'intérieur avec les vitraux, mais il n'y a pas de joie à l'extérieur. Je suis toute intimidée parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Et puis, il y aura plein d'effets, il y aura plein de retombées positives pour beaucoup de gens, beaucoup de familles, pour la ville, le quartier, Rosemont et on.
et la maquette 3D, tout petit, de cet immense lieu qui est appelé à devenir un lieu d'accueil pour les citoyens du 21e siècle. Et aujourd'hui, les gens visitent le gymnase. Alors, on a installé la petite imprimante 3D et une démonstration de Art with Flow qui permet d'arroser, quand vous n'êtes pas là, un mur vert. Les sons sont au café Internet. Comme vous pouvez voir, il y a des gens qui sont en train d'écouter une petite vidéo. Et puis notre rôle à nous, c'est de faire du folklore populaire. Imaginons l'église Saint-Marc, qui est le père. On lui demande de nous donner le commentaire pour qu'est-ce qu'il voit. Quand les gens ont terminé leur parcours, ou même en milieu de parcours, ils arrêtent ici et on fait un ancrage ici. Voilà.